plus. On vous aime. On se revoit bientôt. Ouais, Hackett Squarry déchire tout. Tu sais combien de cœurs sont brisés le dernier jour d'une colo? Une vraie romantipocalypse. Enfin, on sait jamais. L'univers a sa façon à lui de régler ce genre de choses. L'univers? Ouais, tu sais, les dieux de l'espace cosmique. Les dieux de l'espace. Parfaitement. Ok, accouche. Y a rien à dire, c'est vrai, ça va? Oh, ça va. Ça va super bien. Elle t'a largué, c'est ça? Arrête, lâche-moi. Salut Emma. Salut. Ok, ça c'est... Tu connais le concept de conscience spatiale? Non, je parie que c'est un truc d'intello. Sois mignon, prends les derniers sacs, tu veux? Oui, chef. Et salut Emma pour moi. T'es vraiment une teigne. Et j'assume. Allez, les sacs, Jacob. Hé, qu'est-ce que t'écoutes? Intéressant. Qu'est-ce qui a tué les chevreuils? Oh, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je suis pas d'humeur là. Vous comptez m'aider avec les sacs ou pas? Ah, en fait, j'étais en train d'essayer de réparer la porte. Elle est... Dylan, elle arrête. Est cassée. Dylan, non. Je peux pas, c'est... Il me reste des sacs je à descendre, sérieux. C'est pas de ma faute. Dylan, arrête. Désolé. Cool, merci les gars. Cool.
L'horreur. Je déteste l'horreur. J'aimerais pas être coincé ici. Cette baraque est en train de s'effondrer. Ah ! Oh la vache. C'est bon, j'ai les sacs. Cool, et t'as fait ça tout seul, hein? Eh ouais. Tu ferais bien de t'y habituer. J'hallucine, t'es sans pitié. Bah au moins je suis honnête. Ah, ok, c'est parti. Jacob, tu m'as pas raconté toute l'histoire avec Emma, je me trompe? Ah, d'accord. Alors maintenant, c'est moi qui raconte pas toute l'histoire, hein? Et dis pas Nawak, sinon je passe à l'attaque, Jacques. Oh. Pardon, j'étais tellement sur ma rime que j'ai oublié de quoi... Non. T'allais me raconter à moi comment toi, t'as totalement flashé sur Ryan. Attends, tu veux parler de Ryan? Le moniteur de voile avec son côté loup solitaire hyper sexy qui marche pas du tout sur moi? Ah, sexy, hein? C'est le plus beau gosse du camp. Ouais, si tu le dis. Écoute, les filles du dortoir 7 ont fait le classement dès le deuxième jour. Il y avait Ryan... Moi, bien sûr. Puis Dylan, Emma, Abby, okay. Nick, ensuite Monsieur H et... Ok, c'est bon. Tu veux bien abréger? Merci. Ouais, c'est tout. Tout le monde y est. Alors, elle t'a juste largué comme ça. Bon, ok. Elle était en mode, comment ça pourrait marcher entre nous? Différentes facs, blablabla. Bla. Et de mon côté, j'étais plutôt, peut-être à distance, blablabla. Bla, bla, bla. Et elle m'a fait genre, Jacob... Elle t'a fait le regard... Ouais, sans commentaire. Waouh, t'es complètement accro à cette meuf, y a pas d'autre mot, c'est hallucinant. Comment elle fait ça? Non mais franchement, sérieux, elle a pas tort, avoue. C'était juste une aventure pendant les vacances. Qu'est-ce que j'aurais pu espérer de plus? Voyons... Amour, stabilité, engagement, mariage, maison, enfant, maîtresse... Enfant, divorce, solitude, droit de visite, pension alimentaire. Réconciliation surprise, maison vide, retraite, petit-fils, petite-fille, petit-fils, maison de retraite, et pour finir, mourir dans les bras l'un de l'autre et être enterrés côte à côte comme ces squelettes vieux de 1000 ans qu'on a retrouvés à Rome. Je suis pas trop loin du compte? Oh merde, désolé, c'était Ryan et moi. Laisse-moi voir... Ah,
J'ai trouvé. Toi, ça dit juste... plan cul. En fait, c'est juste une liste générique pour tous les mecs. Ah. Ouais, c'est pas faux. Ok, est-ce qu'on est bien sûr que ce vieux tas de ferraille peut rouler? Jette un œil. Y a intérêt. Parce qu'une nuit de plus au grand air risque d'avoir ma peau. Hé, ce qui ne te tue pas te rend plus bof, fort. Regarde, toi je t'ai pas tué. Encore. Mais t'es toujours aussi nul. Hé, lâche-moi. Ok, donc, c'est une simple hypothèse, mais si j'étais une espèce d'enfoiré et que je voulais saboter le van pour faire en sorte qu'on passe une nuit de plus ici, je devrais faire quoi au juste? Bah, tu pourrais couper l'arrivée du carburant ou, je sais pas, arracher le doigt d'allumeur. Et oui, tu serais un parfait enfoiré. Ok, et ce truc-là, un doigt d'allumeur, ça ressemble à quoi? C'est un genre de truc qui pivote. Tu sais, sous le petit dôme noir avec les câbles qui sortent. Jacob, t'es bien conscient que même si on devait rester coincé ici, une nuit de plus avec Emma va rien changer. Crois-moi, ta décision est prise. Ouais. Je sais. On verra bien ce que ça donne. Avec moi, mon pote. Je te remets à ta place demain. Ni vu ni connu. Hé, les gars, là-haut. On dirait qu'il mijote quelque chose. Hé, hey, Jacob. Non, 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 mec. Non, non, fais pas ça. Passe longue. Oh. Nick. Boum. Oh. Allez. La classe, bien joué. Taré. Oh. Hé, hey, dommage que j'ai pas de billets. Taré, je suis entouré de tarés. Oh, enfin. Je sais qu'on est là pour se déconnecter, mais le monde m'a manqué. Monsieur H aurait pu quand même recharger un petit peu nos portables. Tu te remets jamais en question, en fait. Franchement, vous devriez garder de la batterie pour les cas d'urgence. À moins, bien sûr, que se faire larguer soit une urgence. Bim! Ok, mais moi au moins, j'ai eu une relation amoureuse cet été. Oh, waouh, quelle répartie! Ouais, ben peut-être qu'on cherche pas tous des coups d'un soir. Ok, ok, c'est bon, on range nos petites bites et on se prépare à partir? Où sont tous les autres? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Bah, des fois, t'en sais plus que moi. Ouais, ben, je sais même pas quoi répondre à ça. Je sais pas, t'as qu'à dire, Nick, t'es bien plus malin que moi et t'es un super beau mec qui chope toutes les meufs qu'il veut. C'est ça, ouais, continue de rêver. Coucou, vieux hibou. Alors, on en est où? Les gamins ont enfin foutu le camp. Tape là, en haut. Je rêve. Tu vas récupérer ton portable. Allons chercher nos sacs et tirons-nous de ce fichu trou perdu infesté de moustiques. Porte fermée, sac coincé. Oh, fais chier. Ouais. Bon, je crois qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Aller chercher la clé? Trouver notre chemin. Et quand je parle de trouver notre chemin, je veux dire réussir à ouvrir cette putain de porte et prendre nos sacs. Ok, je te suis. J'espère qu'on n'aura pas d'ennuis. Si tu dis rien, je dis rien. Monsieur Hackett s'en rendra compte. Et alors? Il pensera que c'était un ours affamé. T'as déjà vu un ours dans ces bois? Non, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. Pas faux. Ok, on y va. À trois. Un. Deux.
3. Voilà, c'est ça le pouvoir de la positivité. Je sais même pas pourquoi je t'écoute. Parce que j'ai toujours raison. T'es sûre qu'ils vont croire que c'était un ours? Oh, sérieux, respire. On a tué personne, ça va. Ok, bon, je vais juste refaire un tour pour être sûre qu'on n'a rien oublié. Vas-y. Oh, c'est la peluche d'Izzy. Je veux jouer à un jeu! On va te ramener à Izzy. Un article sur ce lieu paumé? Eh ben, Dylan va pas apprécier, mais tu l'es laissé là. J'en parlerai à Chris quand je le verrai. Ouh, j'espère que Jacob n'a rien vu. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? C'est à Dylan? Je crois pas que Kathleen ait quitté la première place de tout l'été. Prête à y aller? Allons-y. On va pouvoir souffler et se tirer de ce trou paumé. Comment tu peux être si... rayonnante? Agaçante. Sûre de toi. Oh, c'est du spectacle. C'est ce que veulent voir les gens. Alors tu fais semblant? En fait, dans un sens, faire semblant, c'est juste être toi-même, mais plus fort. Tu devrais peut-être essayer.
Va savoir qui tu pourrais impressionner. Non. C'est trop tard, de toute façon. Pourquoi ? Toi et Nick ? T'en sauras jamais rien si t'essayes pas vraiment. Coup de volant ? La trouille. Ok, donc, hypothétiquement, si je devais donner de ma personne, et si jamais ça foirait comme toi avec Jacob ? En fait, il est adorable. Pourquoi tu le quittes ? C'était l'été. Bah, étudier dans des états différents. Il comprend. Bien sûr. Mais ça, c'est nous. Toi et Nick. Différent. Demande-lui son contact, écris-lui. Oh, j'ai déjà son email, c'est dans la doc qu'ils ont filé au début. Son email ? T'es si vieille que ça ? T'aimes pas les emails ? Tu vas vraiment me manquer, Abby. Oh, attends ! Oh, mais le chalet est par là. Va par là. Pourquoi ? Allez, une balade ! Un dernier tour triomphal autour du camp. Ok, c'est quoi le triomphe ? 2 mois sans technologie. Moi, j'ai bien aimé faire une pause. Oh, bah pas moi. Et puis, mes pauvres abonnés. Tu sais quoi ? Je veux bien te croire. Abby ? Est-ce que c'était un compliment ? Ton charme est contagieux. Qu'est-ce que j'y peux ? Je pourrais te suivre. Bah, j'espère. Dès que t'es rentrée, tu t'abonnes, tu partages et surtout tu likes à mort. La Sainte Trinité. Ok, ouais, je regrette déjà. Oh non, tu m'adores. Mon coin préféré ? Le feu de camp ? Non, l'île. Elle est grave isolée, non ? C'est de la fumée ? On le signale aux autres ? Il a l'air maîtrisé, ça... Ça doit être Monsieur H qui brûle des vieux trucs avant, je sais pas, de fermer le camp pour la rentrée. Ouais. En parlant de ça, on devrait sans doute, tu sais, rentrer. Non, ouais, t'as peur que Nick, ton chéri, parte sans toi. Mais non, ils sont sûrement tous en train de nous attendre. Tout le monde nous attend. Tout le monde, ouais. Nick, qui t'attend ? Les autres ? Goose, pareil ? T'inquiète, Jacob. Compte sur moi. Je suis chargé à blog. Oh, fais chier. bolos. Plus personne à de chargeur, sérieux. Eh, y a pas de réseau dans le coin, de toute façon. On est dans le trou du cul du monde. Oh, c'est toi le trou du cul. C'est bon, t'es lourd. Bref, je vais tirer un peu de jus à Monsieur H avant de partir et... Oh, Burke. Nick ! Où vous étiez ? Oh, t'es bien curieux, dites donc. Ignore-la, s'il te plaît. On se tire. Il reste plus qu'à charger ses sacs dans le... Oh, attends. Donne, je vais t'aider. Je sais me débrouiller toute seule, merci. T'es sûre ? Parce que moi, ça me dérange Elle pas du tout. Elle sait se débrouiller toute seule, merci. On peut très bien se débrouiller toute seule, toutes les deux. Merci. Cool. Abby, tu veux que... Ouais. Je peux... Merci.
Quelqu'un sait où est Ryan? Il doit être dans son coin, en train de broyer du noir hyper sexy et mystérieux. Je suis là. Qu'est-ce que tu foutais là-dessous? T'étais en train de te toucher? Non, j'écoutais un podcast, figure-toi. Oh, un podcast, ouais, c'est cool. Ça parle de quoi? Ouais, ça parle de quoi? C'est sur moi? Tu crois que j'écoutais un podcast qui parle de toi? Si quelqu'un devait être la star d'un podcast, ce serait moi. Ouais, un podcast qui s'appellerait « Comment vivre avec une tête de cul ». J'hallucine, t'es vraiment un gamin. Mais au moins, je dois pas vivre avec une tête de cul. Non, c'est un podcast sur le paranormal et cet épisode parlait de cet endroit, bizarrement. La folle de Hackett's Quarry. Hein? De quoi? Tu peux répéter, s'il te plaît? C'est qui, la folle de Hackett's Quarry? Tu connais pas la folle de Hackett's Quarry? Sinon, je demanderai pas, débile. Parle-lui de la folle de Hackett's Quarry. Je crois pas qu'elle ait envie de connaître la folle de Hackett's Quarry. Est-ce qu'on peut arrêter de dire la folle de Hackett's Quarry? C'est juste une histoire pour faire peur aux enfants, c'est... On raconte qu'il y a une vieille femme qui est morte dans un incendie il y a quelques années. Elle entrait les bois, à la recherche de son petit garçon. Des gens auraient entendu des murmures, des trucs comme ça, et ils auraient vu une silhouette flotter, le fantôme classique, tu vois. Certains disent même que si elle vous trouve tout seul, elle essaie de faire de vous son fils. Ou de vous tuer, ou... Je sais pas, en fait, c'est pas très clair, enfin bref. La folle de Hackett's Quarry. C'est des conneries. T'as qu'à écouter le podcast. C'est vachement intéressant. Vous auriez vu la tête des gamins quand il leur a raconté ça autour du feu de camp, il les a traumatisés, sans déconner. Ouais, enfin, pas pour toute la vie. Tu devrais pas prendre ça à la légère, mec, c'est réel. Non, sérieux, c'est n'importe quoi. Alors, les jeunes, vous êtes encore là? Ouais, bah on y va, monsieur H. Allez-y, alors. Fichez-moi le camp d'ici. Pardon, monsieur H, on a dû libérer nos bagages. La ferme! Peut-être que si quelqu'un n'avait pas cherché à nous impressionner avec ces histoires de fantômes... Attends, c'est toi? Des fantômes. La folle de Hackett's Quarry. C'est vous qui avez la clé, monsieur H? Ah oui, c'est moi. Franchement, je pourrais perdre ma tête si elle n'était pas collée. Je l'ai laissée dans mon bureau. Viens m'aider, s'il te plaît, Ryan. Oh, j'arrive. Hey, monsieur H. Je t'écoute, Radio Dylan. Y'aurait pas moyen que je me branche quelque part? Je voudrais un peu de musique pour la route. Pas possible. Cool, ok. Pas de soucis. Tant mieux. T'inquiète, je te filerai un écouteur. Dites, Chris, il fallait justement que je vous parle d'un truc. Oh, je suis pas viré au moins. Non, c'est juste, vous savez, à propos de cette histoire avec... Une petite minute, il va falloir que je réponde. Ah, ouais, ok. Oh, pardon. Allô? Quoi? Parce qu'ils sont jeunes. Faut pas trop les pousser, sinon... Ils vont bientôt partir, d'accord? Le temps commence à presser. On veut pas avoir... Attendez encore un peu, d'accord? Je maîtrise la situation de ce côté. Bobby et moi, nous sommes prêts. S'il est dans le secteur, nous l'aurons. C'est une perte de temps. Non, je devrais? Il a disparu. Il veut sans doute pas gêner, et à ce propos, plus je passe de temps au téléphone, plus je mettrai du temps à me débarrasser de ces morveux. Ouais, bien sûr, adios.
Pardon, j'étais pas... je vous écoutais pas. J'étais juste en train d'attendre. Enfin, je vous... je veux dire, j'ai pas entendu ce que vous disiez. T'inquiète, mon grand, viens. Excuse-moi de t'avoir chassé comme ça. Je peux vous aider à retrouver les clés? Non, fin des vacances, des choses à faire, tu sais, enfin... Bref, qu'est-ce que tu me disais? Oh, ouais, c'est au sujet de cette école d'animation. Vous me conseillez quoi? Ouais. Est-ce que... Je veux dire, est-ce que je dois, genre, laisser ma sœur avec mes grands-parents pour aller vivre sur le campus? Parce que ma mère est pas vraiment présente et je veux pas laisser Sarah toute seule. On n'a déjà pas une très grande famille. La famille, c'est sacré, Ryan. Bon sang. Vous êtes sûr que ça va? Vous avez un rancard ce soir? Bon sang. Si tu savais. Et... En quoi je peux vous aider? Tu es un de mes moniteurs préférés, Ryan. Tu le sais, ça. Tu fais du bon boulot. Mais tu sais combien d'appels je reçois des parents à cause de toutes ces lettres que des tas de gamins terrifiés envoient chez eux? Je me rendais pas compte. Tu vas pas le croire, mais flanquer la trouille aux gamins qui viennent ici, c'est pas bon pour les affaires. Donc s'il te plaît, évite les histoires de fantômes. Pardon, j'avais pas réalisé que c'était si grave. Il faut prendre conscience des conséquences de tes actes, mon grand. C'est ça aussi, être un moniteur, un chef. Ouais. Chante leur Kumbaya la prochaine fois, ok? C'est quoi? On chante plus Kumbaya, c'est ça, c'est fini. Mon Dieu, je commence à me sentir de plus en plus vieux. Chris, franchement, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais simplement que vous soyez à l'abri avant que le soleil ne se couche. Pourquoi? Il va faire nuit, Ryan, et c'est dangereux de conduire la nuit. Et pour pouvoir s'amuser, la sécurité, c'est vital. Donne-moi une minute. Nom de Dieu, mais où sont ces clés? Vous direz au revoir à Caleb et Kylie pour moi? Je les ai pas vus partir. Voilà, tu les reverras l'an prochain. Caleb bosse à la casse tout le reste de l'année, et Kylie... Disons qu'elle n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Elle a toute sa vie devant elle. Ces deux-là vont et viennent comme bon leur semble. Les ados, je te jure. Ils auraient pu nous aider à tout ranger, vu qu'on manquait de bras. Vous aviez l'air de bien vous en sortir. Mais je leur dirais que tu regrettes de les avoir ratés. J'ai ouvert le van, mis les clés dans ma poche, suis monté dans le bureau... Là où je les avais laissés. Oh. Allez, en route. Assure-toi que tout le monde est prêt à partir. Et pas d'excuses. Comment t'as fait pour récupérer ton portable avant de... Je lui ai jamais donné. T'aurais mieux fait de l'éteindre avant de me le donner, Dylan. C'est la règle, patate. Je m'attarde pas sur le passé, moi. Tant mieux, parce qu'il est l'heure de monter dans le minivan et de reprendre le cours de vos vies. Allez, en route. C'est quoi le problème? Ah, je sais pas, mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur, monsieur H. Ouais, je vois bien.
Ouais, non, il est genre HS. D'accord, laisse-moi faire. Eh, je vous raconte pas d'histoire, il est mort. Ben, peut-être que tu t'y prends mal. Peut-être que tu t'y prends mal. Tu me cherches ou quoi? Assez. Arrêtez tous les deux. Merde. Allez. Eh, mais doucement. Eh, stop. Eh, putain. Bon sang. Je vous avais pourtant dit de faire tous les contrôles. On les a fait. Ça devrait marcher. Ouais, ben, ça devrait. Et pourtant, on peut pas dire que ça marche. Je me trompe? Ok. Bon ben, okay. Écoutez, c'est pas si grave, d'accord? On n'a qu'à passer la nuit ici? Non! 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 Arrête! Je réfléchis. Ok. Bordel. D'accord, ouais. Quoi? Ouais, c'est vrai. Hey, Ryan. Viens ici une seconde. Assure-toi que tout le monde reste à l'intérieur du chalet cette nuit. Ferme les portes, personne n'entre, personne ne sort, personne, compris? Ok. Je reviens demain à la première heure. Et vous pourrez prendre la route. Mais par pitié, restez tous à l'intérieur. Est-ce que tu peux me le promettre? Ouais. Ok. Personne dehors. T'es un bon gars. Ferme les portes. Et par pitié, ne faites pas de bruit! Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il veut qu'on s'enferme et qu'on sorte pas avant demain matin. Non. C'est une blague. Emma. C'est une putain de blague. On est censé faire quoi? Ben, on devrait rentrer faire ce qu'il a dit. On pourrait rentrer. Jusqu'à demain. Ouais. Ou on pourrait faire complètement autre chose. Non, 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 pas question, non. On devrait vraiment faire ce que Chris nous a dit de faire. Bien sûr. Sérieux, on s'en fout de ce que Chris nous dit de faire. C'est plus notre patron maintenant. On fait la teuf. Et puis c'est tout. Franchement, ça ressemble à un signe du destin, non? Ok. Un dernier feu de camp magistral avant la fin. Oh, mec. Mais grave, je marche. Nick, tu suis? Ouais, je suis. Dylan suit, évidemment. T'es un bon, toi. Kathleen? Je vais là où on a besoin de moi. Ouais, ok. Emma, t'en dis quoi? Ouais, je te suis. Monsieur Hackett avait l'air de beaucoup tenir à ce qu'on reste dans le chalet. Il essayait de nous faire flipper, c'est tout. Comme les petites histoires de fantômes de Ryan. Pourquoi il voudrait nous faire peur? Je suis sûr qu'il s'inquiétait pour nous. Rien de méchant. Ok, cool. Non, soirée. Je voulais pas... Allez, top là, touche ma main, Ryan. Okay. Ouais. Ouais. Mais je veux que tout le monde retienne que moi j'ai dit que c'était une mauvaise idée. Sérieux, mec. Oh. Tout va bien se passer, mec. Crois-moi. Ça va être cool. Ok. Allez, tout le monde, on s'active. Faut qu'on organise cette soirée. C'est parti. Bon, pour commencer, Nick et Abby,
vous allez chercher du bois. Emma et moi, on va aller à l'épicerie pour faire des courses. Et Dylan, toi tu... Je sais pas, trouve un moyen de recharger nos portables. Allez, on y va! J'espérais bien vous revoir un jour ou l'autre. Voyons ce que vous avez. La tempérance. Pour l'équilibre, la consommation modérée, ou l'excès et la fougue. La tempérance, c'est un choix. Mais souvenez-vous que parfois, la tempérance apporte une lente gratification. Je peux vous en montrer plus, si vous voulez. J'espérais vous l'entendre dire. Vous devriez partir. Il est encore tôt et la lune est haute, mais le temps n'attend pas. Pas ceux qui ont une histoire à conter. Prenez garde, prenez soin de vous tous et essayez de trouver mes cartes.